Bonjour les amis. Alors, je vous ai parlé récemment de la viande, que des études montreraient que c'est dangereux. Alors, personnellement, vous le savez, je ne dépasse pas une ou deux fois par semaine de la viande, et que de la viande rouge grass-fed, c'est-à-dire nourrie à l'herbe, finie à l'herbe. Mais aujourd'hui, un de nos amis, Michel, nous envoie un nutriment présent dans cette viande pourrait tuer les cancers, les cellules cancéreuses. L'acide transvacénique, TVA, ah oui, TVA c'est dangereux ça, un acide gras présent dans certaines viandes et produits laitiers pourrait améliorer la capacité de notre organisme à infiltrer les tumeurs et à tuer les cellules cancéreuses, écrivent mot pour mot des chercheurs de l'université de Chicago. Alors, à mon habitude, bien sûr, je suis allé vérifier. Alors, voilà, la viande, tout ce qu'il y a autour, c'est très bon. Et maintenant, c'est mélangé avec de la viande. Alors, ce que nous dit, bien sûr, PubMed. J'ai tapé acide transvacénique et PubMed, et voilà tous ces articles qui sortent, et en particulier celui-ci qui nous explique en quoi ça consiste, qu'est-ce que ça fait. Vous savez que vous pouvez, avec Google Translate, vous pouvez traduire bien sûr tous ces textes. Alors, ils ont mis des figures qui expliqueraient, et ce qui me choque un peu, c'est-à-dire que vous aviez vu qu'il y avait énormément de références concernant la méthionine et le danger de la viande rouge. Et là, nous avons aussi 48 références scientifiques, en fait, qui disent à peu près le contraire. Alors, en conclusion, en ce qui me concerne, je pense effectivement qu'il y a un produit, donc cette TVA, qui peut être favorable au cancer, mais de l'autre côté, la méthionine, elle aussi, est défavorable au cancer. Ce qui fait que je ne changerai pas ma manière de penser et de voir, à savoir maximum deux fois par semaine de la viande rouge. Merci les amis, une très bonne journée. Et je continuerai à vous informer des progrès concernant la recherche sur le cancer. Merci, très bonne journée. Au revoir.